gare à Wagobré reste couché sur les voies. Le tirage à cheval entre les rails et le quai. La SNCF a ouvert un numéro vert, le 0800 330 330, dans les gares concernées. Mouvement en colonnage, il faut passer des évasions. Comme la Châteauroux, ça fait de la route, mais bon. Ouais. Moi, j'ai été l'année dernière en. Ça le fait. Avec le beurre. Ouais, ça le fait. Je pense que j'ai passé une bonne journée là-bas. C'est bien. Tu es bien allé. Ouais, maintenant, je connais plein de monde. Moi, la Varée, c'est pareil, je connais pas mal. Moi, j'ai pas vu Rofa. J'étais beaucoup dans le paddock. Si, j'ai vu la première manche. Et maintenant, je suis demandé à faire des films. Oh là, sortir les belles là-bas. Je l'ai, ouais, c'est bon. Je suis obligé d'arriver à faire la métro et les Twingo. Ah oui, ça marche pas toutes les manches. Ouais. Bon, mais tu vois, avec le pied, là, bon, on entend causer un peu, mais c'est pas trop fort. Avec le pied, l'avantage, tu vois, c'est que. C'est stable. Non, puis tu tiens, tu vois, ça marche. Bon, ça te permet d'avoir un œil sur la course en même temps. C'est pas mal mordu de faire des trucs sympas. Comme ça, chacun a ses spécialités. Là, mon lit, c'est avec le pied. Non, le fouet m'avait confié son truc. Il m'a pris en train de. Mais j'y ai pas dit, je sais pas qu'il a monté ses trucs. Il t'en veut la soirée. Alors, il y en a qui prennent en compte, il y en a qui. Tu sais, à ce moment-là, si tu veux me rendre service, tu me fais une belle photo en tenue de pas en conneries. Tu me fais une belle photo, comme là, je suis en tenue de filmer. Hein, que je puisse mettre ça sur Facebook, que je mette pas des conneries comme vous me mettez, les gars. Bah, tu es en train de mentir. Hein? Elle est bien. Là, par exemple, tu vois, regarde, je suis en pleine action, là, voilà. C'est naturel. Le mec qui bosse, hein. Pour le mec qui a les joues gonflées. Mais c'est pas grave, on s'en fout, ça.
molle. Thank you.
Allez Romain. C'est pour papa qui a réparé l'auto, ça. Tu regardes mes vidéos de temps en temps, Daniel? Oui, je te vois sur le vidéo, je veux dire. Ouais.
faites épreuve. Ah oui. Ouais, puis j'en monte de plus en plus pour des pilotes. Nettoyer. Ton R5 là, Daniel ? Ouais. Tu roules plus avec alors ? Ah non. Elle est toujours prête à partir. Bah, faut que tu ailles en VHC maintenant avec. Hein, Daniel, faut que tu ailles en VHC avec. Tout à fait. Les R5 turbo arrivent, ils ont dit il y a pas longtemps. Ouais. Avec des Porsche. Tu pourras t'amuser gentiment. Ouais, c'est ce que t'es pas vu que je fasse. Je suis pas encore tout à fait organisé dans ma nouvelle vie. Ah bon ? Bah ouais. Avant je suis terrien, maintenant je suis débordé. Thank you.
va le faire, ça va le faire. Oui. Ouais, il n'est pas sorti devant, hein. Daniel, ce que je comprends pas, c'est quand tu écoutes tes Twingo, les mecs qui restent au rupteur. Normalement, on m'a appris que tu mets la vitesse pour reprendre. Ça, j'ai du mal à comprendre. Ils sont tous. Ouais, chaud. Aurélien Crochard qui a réalisé la
troisième place sur le circuit de Châteauroux, la deuxième place sur le circuit de Lavaret, donc ce qui fait qu'il est deuxième, alors que pour Andréa Dubourg, il prenait la cinquième place sur le circuit de Châteauroux et à nouveau la cinquième place sur le circuit de Lavaret. Et il le pousse maintenant, il le pousse, Aurélien Crochard, le pilote Soma Autosport, pousse littéralement le Bordelais de Rosan. Alors, à mon avis, ils vont rester tous les deux collés pour essayer d'aller chercher le meilleur temps. Il reste deux tours, donc c'est leur intérêt. Ils prennent le tour Joker. Non, il revient, Julien Nodot. Wouh, le tour Joker, j'ai cru qu'il le prenait, moi. Et Arnaudot va sortir devant. Arnaudot sera deuxième. Et il continue. Son rythme, Julien Arnaudot. Le pilote de Saint-Malo. Arnaudot, Crochard. Et Julien Arnaudot, toujours en tête. Pour nous, à l'issue de on va le voir de toute façon. Que va faire Andréa Dubourg? Il prend le tour Joker et il sera battu. Oh, en plus, il va un peu au talus. Et il est battu, il va même être peut-être troisième. Lance en erreur, lui coûte la deuxième place. Il est allé trop à l'extérieur là-bas dans la terre. Dernier tour. Eh oui, Arnaudot et Crochard. Julien Arnaudot qui prenait la quatrième place à Châteauroux et la troisième à la Marais. Ben, on avait là les quatre hommes qui sur les quatre pilotes, mais sur trois pilotes, il y en a qui sont dans les quatre premiers du championnat. Et qui du coup laisse la victoire à Julien Arnaudot, qui avait réalisé le deuxième meilleur temps hier après-midi quand même, Julien Arnaudot aussi. Hein. Ah là, eh ben, au bout ils sont tous ensemble. Hein. Voilà, ils ont raison de jouer la prudence, c'est pas la finale. C'est surtout les points qui comptent et ils vont ramasser les points parce que tout au long de la saison, le vainqueur sera peut-être bien celui qui aura été performant à toutes les courses, qui n'aura peut-être pas gagné une course. Ah oui, oui, là le tour Joker, à moins que le premier le prenne. Eh non, il n'y en a aucun des deux qui l'a pris derrière. Allez, faut être malin, faut prendre le tour Joker de suite. Dans l'autre tour, pour essayer de revenir sur Cyril Raymond, qui est en train de montrer les trajectoires à tout le monde. Le jeune pilote de Saint-Raphaël, qui sort quand même du karting, qui sort aussi du circuit, il a un pilotage roulant. Et il remet très bien sur la terre. N'oublions pas que le rallycross c'est la terre parce que ça glisse, mais il faut savoir piloter aussi. Comme sur du goudron, très propre à la tour Joker pour Fabien Grosset-Jeannin, il a raison. Et non, on aurait dit, hein. On aurait dit. Et non, il joue de suivre le rythme imposé par Cyril Raymond qui, de la tête et des épaules, sur ce circuit, pilote très bien. Et Enzo Lippner qui apprend. Ah, la charmante et ravissante, oui. On a rapporté à la boulangerie un téléphone portable. Donc si vous voulez bien retourner chercher le téléphone portable, on l'a ramené à la boulangerie. Mais qui l'a perdu? Voilà. Qui l'a perdu? Tour Joker? Non plus. Allez, là, Enzo le prend. Il a raison. Enzo Lippner, le pilote Malkit, le pilote Lippner du bon automobile a pris le meilleur départ. Mais voilà, maintenant, il va falloir jouer avec le tour Joker et les chronos. Et on va voir que plus seule chose, habilise un verre du thé.
Non, ben, oui, il a raison, à nos tours de prendre notre tour joker. Là, il est plus embêté, le pilote aux couleurs du garage d'Airel. Et le pilote STVE du Bourotto. Emmène l'actuel leader provisoire Aurélien Crochard. Aurélien Crochard qui a réalisé la troisième place sur le circuit de Châteauroux, la deuxième place sur le circuit de Lavaret, donc ce qui fait qu'il est deuxième. Alors que pour Andréa Dubourg, il prenait la cinquième place sur le circuit de Châteauroux et à nouveau la cinquième place sur le circuit de Lavaret. Et il le pousse maintenant, il le pousse, Aurélien Crochard, le pilote Soma Autosport, pousse littéralement le Bordelais de Rosan. Alors, et bien à mon avis, ils vont rester tous les deux collés pour essayer d'aller chercher le meilleur temps, il reste deux tours, donc c'est leur intérêt. Ils prennent le tour joker, là il revient, Julien Nodo. Ouh, le tour joker, j'ai cru qu'il le prenait moi. Et Arnaudot va sortir devant. Arnaudot sera deuxième et il continue son rythme, Julien Arnaudot. Le pilote de Saint-Malo. Arnaudot, Crochard. Et Julien Arnaudot, toujours en tête. Pour nous, à on va le voir de toute façon. Que va faire Andréa Dubourg? Il prend le tour joker et il sera battu. Oh, en plus, il va un peu au talus. Et il est battu, il va même être peut-être troisième. Lance en erreur, lui coûte la deuxième place. Il est allé trop à l'extérieur là-bas dans la terre. Dernier tour. Eh oui, Arnaudot et Crochard. Julien Arnaudot qui prenait la quatrième place à Châteauroux et la troisième à la Marée. Ben, on avait là les quatre hommes quatre pilotes, mais sur trois pilotes, il y en a qui sont dans les quatre premiers du championnat. Et qui du coup laisse la victoire à Julien Arnaudot, qui avait réalisé le deuxième meilleur temps hier après-midi quand même, Julien Arnaudot aussi. Hein. Le chat lui regarde derrière, c'est dans la... Oh, la tête à queue. Ah ben tout le monde y va. Bonjour, c'est moi, bien sûr, René Laplon. Et le chat passe. Fait sa plus belle course de la saison, il est deuxième. Ben oui, hein, opportuniste. Un chat, c'est toujours opportuniste. Un chat retombe toujours sur ses pattes. Et devant, et sinon, il est parti. Allez, Joseph. Ah, ben là-bas, dans le team Auto 72, Auto Park 72, le concessionnaire Suzuki du Mans. Là-bas, perdu dans le grand virage où tout à l'heure il remportait lui-même sa série. Eh bien, le deuxième pilote du team Autopar 72 devrait la gagner. Il n'a pas de raison, enfin, à mon avis. Là, il a tellement d'avance qu'il peut prendre le tour joker maintenant. Par contre, quand c'est que le chat va être poussé. Et Pinot, le tour joker, ils y vont tous les deux. Et hop, et du coup, mais ils ont raison, ils suivent, hein. Il y en a qui apprennent, on a quand même deux nouveaux dans la course aujourd'hui. Jean-Baptiste Ménez, Emmanuel Comédil, qui le suit très bien. De très près, alors que Bézio ne sait pas de quel côté il va doubler le chat. Et
Bézio, qui est un spécialiste de la moto, qui découvre la chute. Voilà, voilà, allez, vas-y, 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 allez ! Allez ! Oh, les dieux ! Il n'ose pas, il dit, bah oui, Max, oui, mais ses parents ont été galants. Ils lui ont appris la politesse. Et il ne peut pas louper un drapeau jaune. Allez, merde ! Et le chat, il est rendez-vous là-bas. Ah, il a fait des vidéos. Voilà, il est là. La Baptiste Ménez. Voilà, ouais, le freinage de Bézio sur le chat. Et il passe devant le pilote d'Intermarché. Bézio, n'empêche qu'il roule bien, le chat. Sur le circuit. Allez, tour joker. Il a été pris là-bas pour la planche. Joseph Epido. Manuel Cloménil, qui fait sa première saison de compétition. Et Joseph Epido qui entame le dernier tour. Baptiste Ménez, il apprend, il apprend, il apprend, il apprend vite. Et il y a Chico Rouge. De Ménez devant nous. Jérémy Bezio. Le pilote aux couleurs de la presse de la Manche. Et aux couleurs d'Intermarché. De la et de l'essai. Poursuite dans l'apprentissage. Victoire de Joseph Epino devant Manuel Cloménil. Ben, le team Autopark 72 a gagné ses deux séries. Bravo, vous qui êtes là-bas dans le fond. Je vous applaudis et applaudissez-le. Enfin, il est un peu loin vous-même. Belle victoire pour Joseph Epino. Oui, mais ben Moj, il s'en sort pas si mal que ça parce qu'il a fait à droite, à gauche, au milieu et il réussit à se retrouver sa course. Après, faut suivre le rythme, oui. Ouais, mais c'est bon, maintenant, en avant, elle prend le tour joker. Du coup, ils sont trois dans le tour joker. Et ils se jettent, tous les trois en plus. Et devant, elle tombe à Sandra, elle qui a roulé en autocross et qui, là, a eu raison de faire la coupe pour essayer de gagner le trophée féminin devant Gaëtan Dando, le pilote du team Brifo. Le casque orange de Lenny Lesquer. La belle Christelle Laurent. Le Grenoblois de ses trophées et tête à queue là-bas pour. Ben, il va hurler tout seul, Jean-Michel Kira. Emmerich Carmon, ça fait. C'est bon. Fait dans l'équipe d'Emmerich Carmon, j'allais se mettre la voiture. Ça lui va bien en plus, ce bleu. Et pour Jean-Michel Guérin, tout est à refaire. Allez, Émeric Armand, dans le premier tour. Qui amène Cyril Calmon. Pascal Hutto. Pascal Hutto, il ne fait pas de bruit, mais depuis le début de la saison, il est très fort. Ensuite, on retrouve le jeune Mathieu Moreau. Et le voilà. Pour Jean-Michel Guérin. Pascal Hutto, on parle de Dubourg. En même temps, il y a eu un drapeau jaune, un peu du coup. Ouais, mais qui a venu à l'extérieur arrive plus vite. La voiture, c'est un bon but. Et tout le monde. Tout le monde est passé. Dubourg, qui a venu. Dornier. Sur le rythme qu'impose maintenant Andréa Dubourg et surtout être malin dans le tour joker. Voilà, il faut y aller, il faut y aller. Seul le cinquième prend le tour joker dans le premier tour. Il a raison, Ayrton Boris. Mais il ne faut pas laisser partir Andréa Dubourg qui s'en va. Andréa Dubourg, Firmin Cadenu, Romain Sornier-Lableu, Gordini et Bastien Héron.
Georges Auguerre pour le pilote Corteco. Ayrton Boris. Cadenu deuxième. Romain, juste devant Ayrton Boris. Ah, il faut que Romain y mette le pied dans le coin parce que là, le circuit du fond. Allez Romain, allez, 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 il sort devant. Ouais, sympa. Oh, il ouvre la porte. Ah, Bastien Héron. Bon, non, on le prend. Andrea Dubourg, il va faire péter un temps. Hein. Andrea, Mervin Cadenu, Bastien Héron, Ayrton Boris. Cadenu sera deuxième, troisième Ayrton Boris et quatrième Bastien Héron, avec une avance confortable et à mon avis un excellent chrono pour le pilote bordelais. Andrea Dubourg, Firmin Cadenu, Ayrton Boris. Incroyable ce que l'on perd sur ce circuit des groupes communes. Ouais, pas idiot ce que fait. Oui, il a réfléchi. J'ai cru qu'il allait passer le pied de l'ombre à Fabien Grosjean. Que c'est un peu son style, c'est un vrai star. Hein. Mais il a fait une minute. Il a autant y aller, Crochard. Donc, le vainqueur des sélections, il a raison, il prend le tour joker. Fabien Grosjean, il laisse partir Aurélien Crochard, le pilote de la Varée, et Tom Dona. Ouais, comme il a pris le virage du coup, le bras. La blanche est rouge et à l'extérieur, un solitaire qui est attaqué pied dedans et qui sort deuxième. Génial ce que vient de faire Enzo Lindner. Là, il a montré qu'on pouvait assumer sa deuxième place à l'extérieur. Bravo. Ceux qui tentent rien n'a rien, ils sont jeunes. Hein. Ils tentent le tout pour le tout. Et il a raison, son joker, il est pour Julien Anodo. Enzo Lindner se cale maintenant derrière la très belle Twingo noir avec sa déco orange et rouge de Cyril Raymond et le pilote Lindner Palkin. Et troisième Julien Nono, le pilote de Saint-Malo, qui lui a pris le tour joker. Allez, tous les deux devant, nous allons regarder l'écart. Les deux. Ils s'entraînent et surtout. Ils l'emmènent. Enzo Lindner, Cyril Raymond. La
blanche et rouge, et à l'extérieur un solitaire qui a attaqué pied dedans et qui sort deuxième. Génial ce que vient de faire un solitaire. Là, il a montré qu'on pouvait assurer sa deuxième place à l'extérieur. Bravo. Ils tentent rien à rien, ils sont jeunes. Hein. Ils tentent le tout pour le tout, et il a raison, tour joker, il est pour Julien Nodo. Enzo Lindner se cale maintenant derrière la très belle Twingo noire avec sa déco orange et rouge de Cyril Raymond et le pilote Lindner Palkin. Et troisième, Julien Nodo, le pilote de Saint-Malo, qui lui a pris le tour joker. Allez, tous les deux devant, on va regarder l'écart entre tous les deux. Et ils s'entraînent et surtout, ils l'emmènent. Enzo Lindner, Cyril Raymond. De la remorque. Semi, c'est un tout. La remorque, c'est Lindner. À mon avis, il est le plus rapide, hein, Cyril Raymond. Ce circuit, il doit l'avoir dans la tête, par cœur. Il enfile les virages comme... Mais allez, nickel, propre. Et toujours derrière, et pas loin. Fabien Grosset-Jeannin. Et Enzo Lindner, en ayant pris le tour joker, tranquille maintenant. On va aller jusqu'au bout dans le dernier tour. Et les deux pilotes vont prendre ensemble le tour joker. Ah mais que va donner le tour joker? Ah ils ont d'avance. Allez tous les deux dans le tour joker. Oh là-bas! Ils glissent tous les deux! Voilà, même il est allé au salut. Fabien Grosset-Jeannin, il n'aime pas les tours jokers qui glissent. Victoire de Cyril Raymond avec un excellent chrono. Devant le Haut-Savoyard. Enzo Lindner et les chronos nous donnent. Voilà, elle démarre bien. Et le petit paquet là-bas au fond. Allez, c'est pas fini. Il y a le duel féminin et devant seuls les deux premiers sont qualifiés avec encore une fois un bon départ et de Romain Janvier. Cyril Calmont. Allez, tour joker là-bas pour Calmont qui laisse Mathieu Moreau en deuxième position devant Jean-Michel Guérin en troisième position, en quatrième position Sandra Vincent, en cinquième position Lélie Lesquer, sixième Cyril Calmont qui a pris le tour joker, septième Lucie qui a pris le tour joker et Moge, huitième qui a pris le tour joker aussi. Il y a un bon dixième pour l'aviron. Hein. Non, pas du tout. On vous ramène bien. Comment tu vas? Non, mais Lucie devant ou pas? Non! Toujours Sornier, Moreau, Guérin, Lesquer, Calmont. Vincent, Grosset-Jeannin, le duel des filles. Guillaume Moge. Et bah les deux. Ouais. Non, 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 ils se touchent tous les deux.
Ah bah il est allé lui donner un coup, lui a rendu. Ah mais c'est, ils ont les chaussures mouillées, alors ça glisse sur les pédales de frein. Et devant, eh bien toujours, il aurait fait une course parfaite. Et Jean-Michel Guérin va se qualifier pour la finale B alors que il prend le tour joker. Romain Sornier est le deuxième et il reste deux tours encore. Guérin, Sornier, Calmont, Sandra, Léni, Lucie, Guillaume et Mathieu. Et devant, dernier tour pour Jean-Michel Guérin, qui est tranquille. Romain Sornier, sous la menace de Calmont, Vincent, Lesquer, Lucie, Moreau. Trois bons de place. Sornier, Guérin qualifié, Calmont, non. Et ça va Vincent. Aïe, 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 là-bas au bout. Et ça passe à l'extérieur. Il y a un carton avec deux voitures, une qui s'est retrouvée là-bas au sol, qui se retrouve dans la poussière, et Fabien Grosjean qui partait à l'extérieur se trouve là en deuxième position. Je vous dis que ça tapait dur. Là, ils vont mettre drapeau rouge. Et devant, toujours Cyril Raymond, rouge. Rouge. Et à nouveau, le même départ pour tout le monde. On a des bruits bizarres. Et Fabien Grosjean qui a fait un excellent départ à l'extérieur là-bas, qui revient. Ils étaient à deux de front, ils se collent juste derrière Cyril Raymond. Quel départ! Et tout le monde est parti à la queue. Maintenant, il faudra gérer, suivre le rythme que m'a imposé Cyril Raymond, qui a été impressionnant tout au long du week-end. Le pilote de Saint-Raphaël mène la danse en deuxième position, Fabien Grosjean, alors qu'il prend le tour joker. Maintenant Julien Anaudot, il est tranquille comme ça, il l'a fait. En troisième position, c'est le pilote de Lavaret, Aurélien Crochard, Enzo Limner, Pascal Hutto, Anaudot et Cadenu, qui ont pris le tour joker. Alors, maintenant, bah, c'est du pilotage, du large, large, du grand large, quand je pilote. Voilà, on va prendre, calculer comment je prends le tour joker, je le prends pas. Allez, on se demande chaque fois s'ils vont le prendre ou pas. Il prend le tour joker. Enzo Limner. Ça, il sera libéré lui aussi, mais il sort pas devant. Il sort derrière Julien Anaudot qui lui a pris le tour joker. Firmé Cadenu qui se trouve derrière lui. Crochard qui prend tout l'extérieur, Ruto, Anaudot, Limner, Cadenu. Il n'y a pas assez d'écart, hein. Il n'y a pas d'écart entre les quatre premiers pour se bloquer, se lancer, attaquer, dévouer le tour joker pour essayer d'en prendre le maximum. Il ira jusqu'au bout, je pense, Cyril Raymond, il le prend dans le dernier tour, alors que Crochard, lui, le prend tout de suite, maintenant, le tour joker Aurélien, et il se retrouve derrière Julien Anaudot.
Jérôme Fabien Grosset-Jeanin, Pascal Hutot, Julien Anodo, Crochard, Hilner, Cadenu, qui ont pris le tour joker. Et Pascal Hutot qui était en dernière ligne, est bien revenu. En troisième position. Allez, Thierry Raymond. Il reste encore pas mal de tours quand même. Nous sommes, il court, il reste encore trois tours. Il prend le tour joker. Fabien Grosset-Jeanin, il voulait prendre le tour joker, je pense, Pascal Hutot. Fabien Grosset-Jeanin qui ne sortira pas devant Anodo. Et Anodo est devant lui. Hutot. Anodo, Hutot. Crochard, Limner, Cadenu. Anodo a pris le tour joker en début. Le pilote de Tavallo, alors qu'est-ce qu'il est vraiment ? Il reste le tour, on ne le prend pas maintenant, il va le prendre en dernier tour. On va comptabiliser. Pour on a, plus on avance, plus on a. Il sera devant Anodo et Hutot. Hutot, Anodo, ça y est, hein. Fabien Grosset-Jeanin, Crochard, Lindner. Le podium est très important pour comprendre les points. Thierry Raymond va faire un maximum de points. Il va prendre 25 et 3 et 2, 30 points. Aujourd'hui, Pascal Hutot, Julien Anodo, Fabien Grosset-Jeanin à la quatrième place avant le tour joker de Cyril Raymond. Crochard, Lindner, Cadenu. Le drapeau à damier. Et là il prend le tour joker Cyril Raymond, le pilote du disciplinant de sport. Pareil, Pascal Crochard prend le tour joker. Anodo va se trouver second et que va faire maintenant Fabien Grosset-Jeanin? Il faut qu'il sorte, il prend la troisième place. Fabien Grosset-Jeanin, voilà le podium, quatrième, c'est bien pour l'homme qui était en dernière ligne, Pascal Hutot. Victoire de Raymond. Anodo deuxième, Grosset-Jeanin troisième, Hutot quatrième, cinquième Crochard, sixième Lindner, septième Cadenu.